Dans le temps, il n'y avait pas de blanc. C'était bien sans eux. Ils ne pensaient pas à nous, nous ne pensions pas à eux. C'est eux qui nous ont cherchés. Ils sont d'abord apparus dans les airs. Ils sont passés là-haut. L'objectif de cette expédition est de tenter un premier contact avec la tribu encore inconnue des Chicao. Ces vaillants guerriers sont craints par les autres Indiens, car ils envahissent leur village et enlèvent les femmes et les enfants. Nous sommes en octobre 1964. Soudain, au cœur de la forêt amazonienne, surgit le village. Tout le monde est très tendu. Quelle sera la réaction des Chicao? Se battront-ils ou se cacheront-ils? Mon grand-père m'a souvent parlé de cet oiseau bruyant qui a bouleversé nos vies. Il m'a raconté le premier contact avec les Blancs, quand mon peuple vivait encore au bord du fleuve Jatoba et notre transfert ici, dans la réserve indienne du Xingu, où je suis né. Cet exil est le plus grand drame de notre histoire. Mon grand-père était comme moi quand il était jeune. Depuis qu'il a été piqué par un serpent, il marche comme ça. Vous voyez ? Il est vieux maintenant, mais pas trop. On a perdu notre terre et nos lieux sacrés. Les Blancs ont ignoré jusqu'à notre vrai nom, Ikpen, et nous ont surnommé Chicao. J'ai demandé aux anciens de nous raconter cette histoire, et ils ont décidé de nous montrer ce que les Blancs n'ont pas vu. Il faut qu'on mette en scène le jour où l'oiseau brillant a fait caca. On va tous crier, il a fait caca. Avec moi, il n'y aura pas de problème si vous voulez que j'enlève ma robe. Je n'ai pas honte d'être nu. On ne racontera pas comment j'ai fait l'amour avec Aïré sous un arbre. On ne s'arrêtera pas à ce genre de détails. Il faut juste raconter ce qui est important. On prendra les maracas, les sifflets, on tirera des flèches et on créera... Pourquoi tu es venu ici? Va-t'en!